Trop fort. Yeehaw. Rocky's in the place. Bonjour monsieur le docteur, voilà, Smiley est malade. Oh là là. Oh ça y est, il l'a guéri, oh merci docteur Cœur. Salut les amigos, vous avez vu, je joue à Adopt Me, ça veut dire, adopte-moi, facile. Ce jeu, il est trop bien. Au début, tu choisis qui tu veux être, un bébé ou un parent. Alors, le bébé, ça peut être un bébé humain, mais ça, c'est plutôt quand tu joues en multijoueur. En solo, on choisit plutôt un bébé chien ou un bébé chat. C'est pas carrément trop cute, ça? Perso, j'adore. Alors, le jeu commence dans ta maison. Bah oui, normal, dans un lieu hyper cosy, quoi. Et là, il y a plein de trucs, et notamment le dressing pour aller chercher ton skin. Et hop, voilà. Et me voilà en Rocky in the Box, la classe. On l'a pas, moi je l'ai. Puis tu peux aller chercher ton animal de compagnie à la nurserie. Quand tu sors de la maison, il y a un énorme panneau avec écrit « Tunnel vers l'île des adoptions ». Eh ben c'est pile poil par là qu'il faut aller. Alors, je vais choisir quoi, moi? Oh, j'hésite grave. Je sais pas. Un petit chien? Oh non! Un chat trop mignon! Oh oui, voilà! Oh, je craque! Et je vais l'appeler Smiley. Swag comme nom, vous trouvez pas? Évidemment, après, quand tu seras le boss du jeu, bah, tu pourras acheter d'autres animaux de compagnie. Autant que tu veux, lâchage complet! Du coup, si tu as plein d'animaux, genre 200 chats, eh bien, quand tu veux, tu ouvres ton inventaire et tu invoques ton animal. Tu cliques dessus et hops, il est avec toi. C'est comme si tu l'appelais Smiley, Smiley, viens ici. Et après, tu peux faire plein de choses trop cool avec lui. Le porter, le nourrir et puis jouer avec lui aussi. Mais en fait, c'est surtout lui qui va te dire ce que tu dois faire. Il va te demander des trucs. Ici, par exemple, il y a une petite lune qui est arrivée. Eh bien, ça veut dire qu'il faut vite rentrer chez toi pour lui faire faire un gros dodo. Le bébé va te demander plein de choses, de la nourriture, de l'eau et même des douches. Bah ouais, il faut les laver, normal, quoi. Il faudra aussi l'emmener à l'école. Bref, tout ça, ça va le faire grandir. Il passera donc de nouveau-né à pré-ado, à ado, puis à post-ado et puis enfin à adulte. Il va grandir, quoi. Si tu réussis toutes les missions, tu gagnes plus d'argent. Et avec, tu pourras aller chercher un nouveau copain à Smiley, par exemple. Bon bah, voili voilou, il y a tellement de trucs à découvrir dans Adopt Me. Évidemment, vous pouvez jouer avec d'autres joueurs, entrer en interaction avec eux, et même fonder une famille. Oh. Bon, allez, j'y retourne, moi. Ce jeu, je l'adore. Smiley. Smiley.